70% des jeunes qui vont en apprentissage ont un CDI 7 mois après leur apprentissage. Pour lancer la réforme de l'apprentissage que le gouvernement veut booster, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a affirmé que ce mode de formation était déjà actuellement une voie de réussite en France et que pour preuve, 70% des jeunes qui passaient par l'apprentissage étaient en contrat à durée indéterminée, autrement dit en CDI, 7 mois après la fin de leur formation. Dans l'enseignement supérieur, il est bien perçu comme une voie d'excellence. Pas toujours aux autres niveaux, pourtant, 70% des jeunes qui vont en apprentissage ont un CDI 7 mois après leur apprentissage. Donc c'est déjà une voie de réussite et on veut faire une voie d'excellence avec mon collègue Jean-Michel Blanquer, beaucoup plus grande. Alors, l'apprentissage est-il une voie de réussite au point que 70% des jeunes qui passent par là se retrouveraient embauchés en CDI 7 mois après la fin de leur apprentissage? Eh bien non, c'est faux.